Mes petits poulets, bonjour et bienvenue dans ce test sans prétention sur le Nikon D Prime, qui sont donc les Nunchaku, absolument stylés, rien que déjà le moveset de base, je trouve incroyable. Ils ont très très bien animé ça, donc rien que la base, ça claque de chez ça claque. Donc, je rappelle, petit disclaimer, c'est un petit test sans prétention, je prends une arme, je la monte, je mets des modes, je vois ce que ça fait, et après je balance sur internet. Je ne dis pas que c'est bon, je ne dis pas que c'est pas bon, ça vous êtes maître, vous avez chacun votre vision des choses, et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, le Nikon D, alors, déjà en dehors du fait qu'il y a beaucoup de hits secondes, c'est vraiment une arme que j'adore, que j'aime bien le principe des Nunchaku. Et pour les trois builds que j'avais fait, alors il y a config D, config E et config F, ça c'est pour plus tard, d'autres tests. Mais là, actuellement, j'avais mis un petit assez sacrificiel, bien évidemment, point de pression accrue. Assez sacrificiel juste pour avoir les chances de coups critiques assez suffisant. J'imagine que ça peut changer, vous pouvez mettre encore autre chose, ça à vous de voir. C'est un peu un clean, hein, c'est un clean rapide, j'aime bien le principe. Il y a un petit berserk, surcharge d'état évidemment, parce que là actuellement vous voyez il y a plusieurs types de statues différents qui m'ont proqué, même si le corrosif sera celui qui proquera excusez-moi le plus souvent. Mais c'est juste pour vraiment la synergie avec le surcharge d'état. Maintenant, est-ce que des dommages purs seraient peut-être pas plus utiles que des modes 60-60? Je vous laisse juger. Avec un petit statut de 100%, c'est drôle en fait. Je vais vous montrer un peu ce que ça fait, comme ça c'est assez sympathique. Donc là, il n'y a aucune arcane qui peut modifier quoi que ce soit, etc. etc. Il n'y a aucune warframe, mais c'est drôle, voilà, c'est fun, ça frappe pas mal autour de soi. Sur certaines stands, c'est assez drôle, j'aime vraiment bien le principe de cette arme. Si un ennemi qui est un peu plus irrésistant, vous allez contre lui et vous le mettez en 1v1 avec juste l'attaque de base. Juste le selon votre touche, hein, moi j'aime bien. Voilà, franchement je kiffe cette arme, je la trouve très sympa, très drôle à jouer. Alors on va tester un peu alors différentes choses, hein, comme par exemple le Gas Magnetic Range. Alors voilà, hein, évidemment, s'il y a possibilité de faire du gaz et du magnétique en même temps, pourquoi pas. Déjà le magnétique pour péter le bouclier et le gaz pour choper, faire les dégâts de zone, etc. Vu qu'il y a énormément de tics, mais en même temps, je suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire parce que, si je me souviens bien, le gaz ne peut pas se stacker plus de 10 fois. Donc voilà, à vous de voir, un peu à vous de voir, mais ça c'est vraiment... J'étais pas sûr du tout. Est-ce que c'est peut-être pas plus intéressant de faire un poison avec 90% de statut, même quitte à ne pas avoir 100% de statut. Vous voyez, c'est pas incroyable. C'est pas excellent celui-là. C'est pas excellent. Donc ce serait peut-être une piste à explorer. Une piste à explorer pour pouvoir passer plutôt un peu plus de damage, vous voyez. Tout simplement avec moins de gaz magnétique, par exemple dégager garder fléau virulent, dégager les fléaux vénères, etc. et chez les vicieux, et faire autre chose dessus, hein, en soi, franchement, pourquoi pas. Mais je crois que je crois que l'arme frappe en électricité de base, hein, c'est un peu chiant ça. C'est un peu chiant, on le voit ici, viral électrique, oui, activé frappe fièvre accrue pour là par contre augmenter les dommages. Donc ouais, j'avais oublié qu'elle frappait en électrique de base, ça faisait longtemps que j'avais fait cette arme en fait. Donc ouais, bon ça encore je vous laisse voir, hein. Et bah c'est plus ou moins, ouais c'est pas aussi incroyable, mais ça passe quelques virales, hein. Si vous êtes encore à corps, il y aura un petit électricité qui va venir stun les mobs, et faire s'ils sont assez proches les uns des autres, un petit répercute de damage comme ça, mais bon, est-ce que ça sera vraiment bon, ça c'est encore une autre chose. Alors... J'avais déjà pensé aussi sur la config D, essayer de voir un truc un peu plus avec coup de sang, hache, etc. Mais je voyais que contre des mobs 155, ce que j'utilisais là était plus sympathique que commencer à essayer de faire des crits rouges. Ça clinait plus vite avec ce que j'avais là actuellement. Mais est-ce que maintenant ça clinera plus vite sur un mob qui aura dépassé le level 3000? On ne sait pas, donc ça, des tests seront nécessaires à ce niveau-là. Donc on va deux secondes un peu changer, on va prendre juste du Volt, pour le plaisir, voilà. Pour la rapidité des coups au corps à corps. Est-ce que j'ai mis des armes, des arcanes de corps à corps là? J'ai mis des arcanes qui n'étaient pas des arcanes de corps à corps. Donc on va prendre des arcanes de corps à corps pour le délire. Vitesse attaque de mêlée, voilà, et l'arcane furie.
On va se mettre bien pour une sorte de rapidité à toute épreuve. On va dégager les anciens guérisseurs. Parfait. Les artilleuses lourdes. 155. Plus le petit boost de vol que je vais avoir en arrivant. Ça va pas faire grand chose. Mais bon, c'est pas grave. Et alors là, c'est juste la fête du slip en ce qui concerne l'éthique. Ça n'a aucun sens, la rapidité d'exécution. Vous voyez, donc c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Ça clean pas forcément super vite. Mais le visuel est très agréable. Je trouve, le visuel est très agréable. On va peut-être s'essayer sur une petite Mirage Prime avec sa petite charge d'acier, etc. Vu que les clones. Je crois que tous les clones, si je me souviens bien, tous les clones frappent au corps à corps. Alors que pour les armes principales, les armes secondaires, c'est juste deux clones sur quatre. Donc c'est pas. C'est moins bon. C'est moins bon. D'ailleurs, je vais. Peut-être pas me casser la tête à lui mettre ses arcanes, là j'ai pas trop envie. Oui, mais Nécro, non, mais j'ai pas envie, Gilbert, c'est tout. Donc, ouais, c'est marrant, voilà, c'est marrant, c'est drôle. Alors, je sais pas d'où viennent les coups critiques orange, mais j'ai l'impression qu'avec Mirage, il y a des trucs qui sont spéciales, hein. Vraiment spéciales. Ah oui, le petit galerie de la malveillance aussi, ouais, évidemment, hein, qui fait que ça clean super vite. Bon, Mirage, voilà. Mirage n'est pas un bon exemple vu que Mirage est un DPS. Il n'y a pas vraiment moyen de faire ça autrement. Donc voilà, c'était juste un petit test, comme ça pour voir un peu ce que ça fait. Est-ce que je ferai des tests supplémentaires après sur le Nikon D en essayant de faire d'autres choses un peu moins basées sur le statut et beaucoup plus basées sur les dégâts avec moins de portée? On pourrait voir un peu, attendez quoi, il y a fléau virulent, fil volcanique, truc. Ben, en fait, c'est le même délire qu'auparavant, sauf qu'il n'y a pas point de pression, il n'y a pas atteinte accrue. Donc on va une fois le faire avec un petit H. On va un peu regarder. Petit H Prime. Reviens ici, oh mon bébé. Mon petit H Prime, mon bébé d'amour. Mon gros bébé d'amour. Et là maintenant on va prendre des bombardiers corrompus et on va un peu se marrer. Alors il n'y a pas contact errant sur le build du Nikon D, mais oui, mais H avec son. Déjà H de base, avec tout son set gladiateur et son mode de syndicat, fait en sorte justement lui d'avoir plus de. Avoir plus de temps déjà de base. Donc là, vous voyez, ça met un peu plus de. Bon, attention, c'est des bombardiers corrompus, hein, par rapport aux artilleuses lourdes, évidemment, c'est plus fort. Ça a plus de résistance. On va juste 2 secondes, un tout petit peu. Augmenter le 7. Allez, augmenter la puissance. Ouais, ça met du temps, hein. Ça met du temps, là, par contre. Ça met du temps, ça met du temps. Donc, on va augmenter un peu, voilà, tac, 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 tac. Plus rapidement. Et bon, bah, c'est pas incroyable non plus, hein. C'est pas incroyable. Là, comme ça, on va essayer de faire vite fait contre des artilleuses. Tac, artilleuse, on va en rajouter vite fait tant que c'est là. Rajoute s'il te plaît. Oh merde, je crois que je vais perdre tout mon combo, etc. etc. Je n'aurai pas le temps suffisant. Ben non, voilà, pile poil juste avant, c'est pas grave, on va un peu l'augmenter. Voilà, ça va aller rapidement, ça va aller rapidement. Tu sais ce qu'on va faire? Ça va être meilleur. On va se mettre invincibilité par exemple, on va enlever l'IA en pause. Et on va faire ça comme ça. Voilà, donc maintenant. On va se mettre invisible, on va demander au clone de choper un maximum de mobs, on va le faire aussi. Voilà, comme ça on augmente les combos. Donc le build de H, qu'une fois je dois aussi penser à foutre sur YouTube, qui est un build en fait en support au mode coup de sang. Un gros support au mode coup de sang. Qui a une bonne possibilité d'épée. Enfin généralement je me marre bien avec H. C'est assez drôle quoi. Entre ses chances de coup critique qui augmentent encore, ainsi que sa durée de combo qui de base grâce au justement au mode de syndicat rajoute une durée de combo de manière passive sur la Warframe. C'est assez intéressant. Et là par contre je trouve pas ça incroyable. C'est intéressant, c'est intéressant. Je pense si c'est ouais, c'est quand même plus fort. C'est quand même plus fort. Donc enfin, d'un côté c'est logique aussi. C'est logique, c'est logique, c'est plus fort. Donc bon, bah, je pense qu'à mon avis, sur le H, ça passerait encore. Un petit build comme ça passerait. Donc voilà. Oui, il y a bien moyen de faire quelque chose avec. Je vais un peu plancher. Je vais un peu plancher sur le fait de masteriser le Nikon D avec un combo H, peut-être. Ainsi que les arcanes, bien entendu, qui vont avec. Sur ce, gros bisous, mes petits poulets. Et à la prochaine.